Et M. Madistin, bonjour, bonne petite nouvelle, comment croyez-vous? Eh bien, bonjour, nous, Robinson, là, on a bien, nous pas plus mal. Nous bien content de vous, M. Madistin, et nous avons contacté pour décrire, nous avons dit, bon, mon petit temps pour m'analyser. Maintenant, nous bien tenté de quitter au fond, on exposé tranquillement de différents points de analyse. Là, avant, nous avons fait des tirs sur des points que moi pas maîtriser en façon bagala qui a un caractère mais vraiment foncièrement pédagogique. Ma contre sous d'accord à plan ça. Oui, me d'accord ça oui. Eh bien allez nous partage analyse avec nous. Le premier là c'est que décret les rivé dans contexte qui côté de provoquer et émotion. La peur, l'indignation dans la société. Pour qui ça les provoquer toute émotion ça yo, c'est parce que tant comme on dit dans proverbe là, chaque chose de notre chaud les loi de fret li kou. Décret inscrit dans lignée de donc d'arrêler en forme de déjà vu. Donc ensemble d'actes que pays a vise déjà particulièrement dans période du valier. Nous en présence d'un gouvernement qui souffre qui a un problème de légitimité. C'est-à-dire que nous avons une situation de rupture de l'ordre constitutionnel côté tous les élus de la République, mandat arrivé à expiration et au bon président qui a fonctionné en dehors des normes prévues par la Constitution. Donc laisse arriver dans tout pays du monde, il y aurait laissé en état d'exception, c'est-à-dire en état qui a fonctionné. Mais j'ai la fonctionner, ce n'est pas comme ça la Constitution te prévoit pour te fonctionner. Laisse arriver, il faut que les gens qui sont en position pour diriger, ils disent ça, et ça relève, ils font déclaration d'état d'exception, pour dire désormais, il n'y a pas de diriger, j'ai le tédoué. Et période ça, mais qui tend la durée. Et qui consensus qui établit entre les forces vives de la nation pour nous est ça possible ça ne qu'a fait pendant période d'exception ça côté président pas censé gagner tous les leviers démocratiques dans mer et c'est ça qui aurait les un cadre de référence un cadre légal de la période de transition c'est-à-dire période de l'on sorti non l'ordre constitutionnel là, alors on va le retourner à la normalité constitutionnelle. Le président Jovenel Moïse, brièvement, pas un cadre ça. Il n'a pas réussi ni chercher ni joindre consensus ça. Donc, autrement dit, à ce que la cause est, il y a un problème de légitimité, premièrement. Deuxièmement, monsieur commence à prendre un certain nombre de décrets qui semblaient être un coup de goutte l'eau. À ça, Duvalier t'a fait en 1959-1961. Notamment, côté après de 6 mois, de juillet 58 à janvier 59, Duvalier prend 142 décrets. 142. Il prend décrets sur tout domaine, y compris des domaines aussi importants en cours. Modifier le code pénal haïtien, c'est que je venais la faire aussi. Décret qui réorganisait les forces armées, les forces de sécurité, donc. C'est que je venais à faire là en Nian. Donc, pour qu'on situation, le Duvalier prend pouvoir en octobre 57, il est élu sous base un décret électoral, pas de constitution. Il fait adopter en constitution en décembre 1957 qui créait un conflit sous mandat député sénateur dans Jean décret électoral là te prévoit là et Jean constitution ça va le dire là et qui ça Duvalier va le dire lui-même monsieur va inventer une théorie monsieur dit que le salut du peuple est la loi suprême et monde qui l'a pour interpréter loi ça c'est le président de la République. Donc, autrement dit, depuis le président estimé qu'on bagaille pour le faire, qu'à bon bout peuple là, pas gaffe de constitution, il peut pour faire, même s'il allait à l'encontre
de la Constitution. Ça que nous, ouais, que Jovenel Moïse a fait aujourd'hui à tout. Pas considérer la Constitution. Et puis, il dit, c'est ça pour vous, peuple. La Constitution, ça va, bon. Constitution, ça, c'est un obstacle. Donc, il dit, et puis, l'estime lui-même que c'est lui qui a interprété. Ça, peuple a voulu. Et puis, il dit, ça, peuple a voulu aller au-dessus de la Constitution. Toute pratique, toute maïsaïo, tout agissement, ça, yo, il va l'aider faire. Qui démène nous dans la question de dictature. Donc, ouais, que l'histoire a répété là. Donc, qui s'accuse? Les décrets, ça vient de sortir. Léo analyse décret. Renseignement qui ça saillé non l'État. A réalisé, faut nous dire tout de suite, pas gain l'État, pas gain service renseignement. Ça n'existe pas. Renseignement ça lié, c'est les menaces que l'État identifié qui a déstabilisé, qui est capable de faire, pas qu'à fonctionner, qui a empêché le développer. Et là, l'identifier menace, il va l'établir en hypothèse, c'est-à-dire en doctrine pour le dire, li garder, la interpréter fait constitutif de menace, la dit qui action pour le mener contre yo. C'est ça aurait les doctrines là. Le par exemple Duvalier, sous Duvalier, l'identifier menace pas lion, il dit qui menace qui gagne, il dit qu'il y a deux grandes menaces. Il dit que gagner les mouvements subversifs. Moun kap chache jete gouvernement. Pas oublier gouvernement pas là, ton gouvernement à vie. Donc, il dit la combat mouvement ça. Et puis, il dit mouvement communiste. Donc, son question idéologique. Il n'est pas d'accord pour la question mouvement communiste dans le pays. Donc, il identifie deux menaces. Jodia, sous base menace ça, il va déterminer en doctrine de renseignement. Et doctrine, ça va le mener, non, sous une forme de police politique, tant que ça a été arrivé dans toute l'Amérique latine, pour qu'il y ait des escadrons de la mort qui sont capables de disparaître le monde, et assassiner le monde, etc. Jodia, menace est différente. Par un problème, c'est le pluralisme politique, le pluralisme des idées, par un problème des mouvements communistes, des mouvements subversifs, jodia dans l'État, gagné, côté des exploités et des droits que Constitution, Convention internationale proclamée. Donc, ou pas capable jodia, gagné même doctrine à période François Duvalier, on décret soignant, c'est ça le fait. Il calque sous doctrine François Duvalier, alors que qu'il y a une évolution des menaces, les menaces ne sont plus les mêmes. Ouais, donc ils ont un premier problème. Parce que si menaces sont mal identifiées, si les faits constitutifs de menaces sont mal interprétés, orientation, action pour le porter, ils n'ont pas bon tout. Et c'est ça qui arrive dans le décret à Nia. Or, qui n'a dit aujourd'hui à qui menace Haïti à faire face? Par exemple, Haïti a fait face à menace de trafic illégal de armes et de munitions. Donc, si on dit ça, le premier problème qu'on va le poser, c'est comment contrer, parce que le problème de sécurité, ce n'est pas d'abord s'allier, non? Parce que pour les gens qui ont fait insécurité, s'il n'y a pas de armes, s'il n'y a pas de gens qui ont fourni les munitions, la police a protégé la sécurité. Oui? Donc, la menace, ce n'est pas l'insécurité, la menace, c'est le trafic d'armes. Le service, de, pendant que la police avait intervenu sur sécurité, le service de renseignement, lui-même, il a supposé avoir intervenu sur le trafic d'armes. Donc, le premier menace qu'on a identifié en Haïti aujourd'hui, c'est la corruption, la fraude fiscale. Dans un pays, par exemple, côté, où il y a gagné 3-4 milliards de dollars disparaissent dans le fonds Petro-Caribé. Où il a besoin de regarder comment ça c'est possible, comment on a tracé, retracé. Parcours chemin que comme ça a fait. Donc, c'est une menace qui empêchait le développement du pays. Donc, autrement dit, si c'est ça identifié comme menace, eh bien, méthode qu'on va l'utiliser pour faire renseignement, les techniques qu'on va l'utiliser, il y a un cas différent. Et je dis, il y a des techniques très modernes en matière de renseignement que la technologie permet que nous utiliser, tant qu'on, n'est-ce pas, toute question de écoute téléphonique, de saisie et de matériel informatique, de question de vidéo, question de pose de micro, donc toute
éléments ça yo, c'est des bagages que service de renseignement capable d'utiliser dans mon exemple bien simple. C'est ça qu'on m'a dit là, si m'utiliser comme menace la fraude fiscale. Il y a 3-4 firmes comptables dans le pays. Ou quand on firme comptable qui travaille pour 30 à 40% des entreprises, des grandes entreprises de l'État. Eh bien, ordinateur qui gagne dans le bureau firme comptable, ça y a des informations pertinentes qui permettent de combattre la fraude fiscale. Eh bien, la saisie de ces données capable de constituer une méthode, une technique de renseignement. Quand on est capable de venir ou intervenir, ou prendre un ordinateur, ou prendre un dili, ou prendre information, ou l'analyser. Quand il y a technique ça, il n'y a qu'à violer des droits et des principes qui sont consacrés par le droit international, qui dans la Constitution, qui dans la Convention internationale d'Haïti, ratifié. Et le principe en matière de renseignement, tout ce qui n'est pas prévu par la loi est interdit. Qui ça, monsieur, vous avez dit dans le décret à vous-même, ça, vous n'avez pas agi selon la loi et les règlements. C'est-à-dire que tout ça, vous n'avez pas gagné, que la loi va être autorisée au fait, vous-même, vous n'avez pas été dit par le propre règlement pour pouvoir vous faire. À partir de ce moment, vous mettez en danger les normes et les obligations internationales de l'État. Vous mettez en danger les droits proclamés, prescrits, garantis par la Constitution. Donc, vous avez tête des autorités que normalement, vous n'avez pas de droit gagner. Et là, vous avez tête vous êtes capable d'entraîner, n'est-ce pas, un passage du droit pour la communauté internationale, du droit à l'autodétermination des peuples, au droit d'ingérence. C'est-à-dire, vous savez, le principe, c'est que le droit d'autodétermination, pays indépendant, souverain, moun pa gen droit entrer dans ça l'a fait. Mais ça l'a fait, yo, yon limite. Limite, yo, c'est le respect des normes internationales, des obligations internationales. De vous violer, yo, ouvrez la voie à ce qu'on appelle le droit d'ingérence. Droit que moun yo kavine intervenu dans l'affaire interne, ou même le devoir d'ingérence, koto kajouen ou intervention de force externe. Et c'est ça que décret ça, yo pral fait. Yo pral bail pouvoir de droit qui violait les normes, les règles internationales, qui mettait en danger les valeurs démocratiques et qui fait justement que citoyens yo en droit pour yo peur ça va passer à et pour yo capable contester. Globalement, c'est ça. Analyse nous j'ai sous décret. Quelque part et l'autant des communiqué qu'au groupe là qui soulignait que décret ça semble porter atteinte à la démocratie, à des libertés publiques et à des droits. Et c'est un droite ligne de ce qu'on dit là, maître Madistin? C'est exact. C'est exact. Par exemple, la Cour interaméricaine des droits de l'homme a ici signé la Convention interaméricaine des droits de l'homme qui, dans l'article 1 déjà, c'est obligation à tout l'État qui partit à cette convention, vous mettez législation en conformité à la convention. Et cette convention proclame le respect des droits et qu'on appelle des droits de la première génération, c'est-à-dire des droits civils et politiques, culturels de tout État. Ok. Maintenant, attendez. Le qu'on y a, ou pour une loi, ou décret, qui attaque le droit, par exemple, de manifester, magique, c'est un droit politique qu'on viole. Et qui ça, la Cour interaméricaine des droits de l'homme fait lui-même, non, elle renonce dans nos actions contre le Pérou, sous question des sentiers lumineux, justement, qu'on équipe monde qui dénonce service de renseignement. Et qui est intervenu et qui était tué dans l'intervention 16 agents du Sentier Lumineux. Mais il y a un diplomate que le Sentier Lumineux te prenait en otage, qui était là, et qui a tué 13 personnes dans le combat,
yo te maîtrisé toi, yo exécuté yo. Et c'est pour dénoncer ça, du monde ça, yo pas de mourir, parce que yo te quitte maîtrisé. Et sous base ça, la Cour interaméricaine des droits de l'homme, yo pral prendre des lois d'amnistie après la fin de la guerre civile pour protéger mon service de renseignement ça, yo, qui te fait crime ça, yo. La Cour interaméricaine des droits de l'homme pral dit, toute loi qui pas respecté les normes internationales des droits de l'homme prises par un État, les privées d'effet juridique. Ça veut dire que la loi, ça, il va pas appliquer. Ok. Et principe, ça, il va là pour tout État qui signe un contrat sur ça. Le droit de la défense, on dit que Annie a opté pour l'anonymat de ses agents et le secret comme mode de fonctionnement. Et on dit, mais la doctrine du secret n'est pas explicitée, comme c'est déjà le cas dans le décret du 8 septembre 2008 portant création de l'unité de lutte contre la corruption ULCC. Explique. Très bien. Là, on prend l'anonymat comme modèle de grand mode de fonctionnement de l'année. Ça va en problème, non? En lui-même. Mais, qui compte-t-elle pour le poser problème? Le, on recevoir information par service de renseignement, sur le faveur, pour qu'à utiliser information sur le faveur. Quelle utilisation va le faire? Ou bien deux types d'utilisation qu'a fait. Ou qu'a fait en utilisation politique, ou bien en utilisation institutionnelle. Utilisation politique, là, c'est des informations qu'on prend le bail pour que pouvoir, pour qu'on puisse prendre des décisions politiques, d'accords politiques, des négociations politiques pour protéger l'État contre les menaces identifiées. Par exemple, supposez qu'on voit que gagne notre bonne frontière, gagne des informations qu'on gagne, côté ou gagne des groupes qui ont vini pour créer un danger dans le pays. Ou bien information ça politiquement ou qu'a fait on rencontre avec le ministère affaires étrangères et pays dominicani ou chercher pour gouvernement ça bloquer menace là pour qu'a font utilisation politique renseignement oui autour ou qu'a utilisé sur le plan institutionnel, c'est-à-dire comment à l'intérieur de nos institutions on qu'a utilisé information ça pour bloquer menace. Il y a une institution qu'on a utilisé, par exemple, c'est la justice. Si qu'on y a, ou pour utiliser la justice, information ça, qu'on a gagné sous le sceau du secret, comment on peut l'utiliser en temps au tribunal? Lorsque, si par exemple, pour exemple, on a un monde qui a fait rentrer les âmes dans le pays, service renseignement me dit que c'est tel monde qui devrait être tel cas, et puis ville, qui a acheté des amis au Miami, ou bien au Chili, il passe au Dominicain, il va me situer. Service renseignement me dit. Si j'ai besoin d'utiliser sur le plan politique l'information, ça me rappelle. Mais si j'ai besoin de poursuivre ça à la justice, faut que le droit de la défense la respecter. Les dossiers arrivés dans le cabinet d'instruction, arrivés au niveau du tribunal, il n'est pas capable sous le sceau du secret encore. Parce que le prévenu qui sera poursuivi, il faut avoir autorité, capacité pour contester l'information sous l'IO et pour le capable de venir contradictoire. Donc, le coup, il y a outil que l'agence travaille dans l'anonymat, ou dit sous le sceau du secret, il faut ou définir un régime du secret. C'est-à-dire pour déterminer. Quels sont des éléments qui peuvent être classés comme secrets d'État qui ne seront jamais rendus publics, hein? Ou bien qui quantité de monde qui est capable au courant de eux, qui est capable de connaître l'information ça, qui, donc, si c'est des informations qui représentent une menace très grave pour l'État, ou bien si c'est une menace qui est grave, hein? Ou bien si c'est une menace qui n'est pas tout à fait grave. Donc, ça, il faut qu'on capable de déterminer et définir clairement pour que tout ce soit clair pour éviter les abus, pour dire travail sous le sceau du secret à Salvetti et qui limite lui. Donc, le décret n'a pas dit ça, le décret n'a pas fait ça. Maintenant, de l'égalité de tous devant la loi, où souligner l'article 48 du décret au chapitre 31 des statuts de l'agent accorde une compétence étendue aux agents qui peuvent, ouvrez les guillemets,
procéder à des perquisitions conformément aux lois et règlements. Oui. Et ça, c'est pas un bagage très grave. Parce que qui ça décret à le faire? Là où bon droit qui proclamé, dans façon pour exercer droit, manière pour exercer droit, c'est la procédure qui vous dit. Ça décret à le faire, il pral viser le code de procédure pénale. Qui sont projets qui ont plus que 20 ans de travail sur lui pour que j'en publie. Et de réaviser comme si ton loi qui existait. C'est comme s'il dit, ah, j'ai eu pour le travail. Conformément, si vous avez une perquisition, vous dites, procédure, dit, mais comment vous faites? Et puis, comme vous visez procédure pénale, c'est comme si le procédure pénale, là, il dit, mais comment vous faites? Voilà que quand le procédure pénale, là, pourquoi, il là, il faut voter, il faut adopter, il faut en vigueur. Et puis, décret qui te dit, c'est comme ça que vous allez faire. Donc, ça veut dire ça. Comme vous avez côté dans le décret, vous dites que l'agent va travailler selon la loi et les règlements. Tout côté loi va exister. Yo même yo pral bay tête yo moyen yo forme pour yo faire bagay yo. Donc en Haïti, vous savez, dans la forme c'est la sœur jumelle de la liberté. C'est-à-dire que ce qui donne la garantie aux citoyens que droit ou pas voler, c'est la forme prévue par la loi. Maintenant, voilà que la forme n'a pas qu'on prévoit par aucune loi et puis décret qui t'en bayo autorité pour yo faire. Les gars en fond, on a les décrets pour renforcement de la sécurité publique. Décret ça 25 novembre 2020 pour le renforcement de la sécurité publique, pris publié en même temps que décret à Nyon, évoqué ça là. Et yo bay ont définition qu'on qualifiait de fourre-tout à l'infraction terrorisme avec de lourdes peines allant de 30 à 50 ans de prison et de lourdes amendes allant de 2 millions à 200 millions de personnes pour les personnes physiques, 2 millions de gouttes pour les personnes physiques. Et de 10 millions jusqu'à 1 milliard de gouttes pour les personnes morales. Oui, ok. Mais ça, c'est l'autre bagaille très grave encore que vous faites. Là où des fois définir une infraction, il y a trois types d'infractions que la loi prévoit. Il y a contravention, il y a délit, il y a un crime. Chaque infraction, ça y est. Il y a un tribunal qui traite. Contravention, c'est tribunal de Saint-Police, ça le tribunal de paix en matière civile. Délit, c'est tribunal correctionnel. Crime, c'est tribunal criminel. Ça détermine qui tribunal, qui infraction, chaque infraction, qui infraction, qui tribunal qui vous tendez, c'est le quantum de peine prévue par la loi. Un bagage, c'est pas très grave. La loi dit que son contravention, on peut prendre un jour de prison jusqu'à 3 mois, 6 mois, ou bien on peut prendre une amende, 150 gouttes, 100 gouttes, 200 gouttes, pour payer son contravention. Par exemple, on m'empêche la circulation parce que mon bouteillon rue, mettez fatra, mettez sable, mettez roche, mettez caoutchouc, son contravention. Peine légère. Jodia, décret a dit, moun qui veut ça, c'est pour contravention encore. C'est un crime, son acte terroriste qui va le punir de 30 ans à 50 ans de prison. Ou pour un bagage qui est la loi, il va amender la loi, non? La loi dit, c'est un jour, c'est deux jours, c'est un mois, 3 mois de prison. On a dit au même minimum 30 ans. Donc l'on fait ça. Sont intimidation à faire pour empêcher d'autres droits garantis, comme le droit de manifester, par exemple, le droit de protester. Donc, ou faire ou poser un acte qui allait à l'encontre de vos obligations internationales, qui allait à l'encontre des normes internationales. Les concepts qu'on a utilisés pour les crimes graves, ils ont défini vos compréhensions universelles sous l'eau à travers le monde. Ils ont défini dans les conventions internationales, dans la législation des pays, des États démocratiques, ou pas quand vous même comme sous seul, sous la terre, et vous définissez une contravention, une infraction qui existe partout à travers le monde. Et vous, vous avez une définition qu'on sens unique, c'est la Haïti qui comprend comme ça, c'est la Haïti qui comme ça.
Nous avons été 5 minutes pour nous passer ensemble avant de vous remercier pour votre disponibilité. Et tout ce que vous avez dit, illustré qui ça de l'essence de l'administration Moïse? Eh bien, son l'état dictatorial, qui est l'état qui part soucié du respect des droits de ses citoyens. Donc, l'état qui pas entré dans le concert des nations, qui pas on l'état qui rentrait, non, qui gère tout, on l'état fonctionner de manière démocratique. Parce que